petit peu que je parle de régime alors que je suis pas vraiment grosse. Ou ça dérange un petit peu comme si c'était réservé aux grosses de parler de régime. Bah oui. Donc qu'est-ce que tu connais en régime les grosses? En même temps, aujourd'hui, il faut choisir son camp. Je veux dire, il y a deux catégories. Il y a le camp des filles qui ont des formes et qui les assument, et c'est très bien, moi je les admire, il faut s'assumer. Et puis il y a le camp des filles maigres, enfin minces quoi. Et alors ces putes, pardon. Non, pardon, j'ai rien contre toi, je te jure. Non, alors ces filles, pourquoi est-ce qu'elles arrivent à être minces? Alors plusieurs raisons. Il y a les filles qui te disent « Ah non, mais moi, depuis que j'ai découvert le sans gluten, un vrai déclic. » Oui, alors le Nutella, c'est sans gluten. Moi aussi, je l'ai découvert. T'as les filles qui te disent « Ah non, mais moi, j'ai un kilo à perdre. » Mais ta gueule. En fait, parce que moi j'ai jamais eu un kilo à perdre. Voilà, jamais. Si, c'est pas vrai, j'ai eu un kilo à perdre. Si, avant d'avoir 5 kilos à perdre. Et puis alors il y a les filles qui te disent oups, j'ai oublié de manger. Oui, alors on a envie de débuter. Hein. Alors que moi c'est plutôt oups, il y a mangé qu'à craquer. Il y a une troisième catégorie de personnes en fait. Il y a ces filles-là qui ont envie d'être minces, mais dès qu'elles sont à ça de leur poids idéal, il y a une petite voix comme ça qui leur dit « Mais bouffe, tu seras jamais mince !»